est bientôt 22h30. Merci de nous rejoindre sur BFM TV. Comme un air de liberté retrouvé ce week-end. Des parcs et jardins qui rouvrent, un grand soleil, des restaurants et des bars qui se préparent à accueillir des clients. On sera en direct des Quais de Seine avec Sonia Carnero. Et puis nous serons avec Hakim Gaouaoui, PDG du groupe Les Bistrots Pas Parisiens. Il sera avec nous, il nous expliquera comment il se prépare pour accueillir sa clientèle en toute sécurité. Avec moi en plateau, Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir. Et Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Bonsoir. Un nouveau rebondissement dans le débat sur l'hydroxychloroquine. Des dizaines de scientifiques remettent en cause l'étude qui a conduit à la suspension des essais cliniques, des pro-Raoult, mais aussi des anti-Raoult. Saura-t-on un jour si l'hydroxychloroquine est un remède au coronavirus ? Je poserai la question à mes invités. On ira aux États-Unis. La garde nationale est déployée à Minneapolis pour tenter de ramener le calme après les émeutes de la nuit dernière. Tensions qui font suite à la mort d'un Afro-Américain lors de son interpellation. Le policier mis en cause dans son décès a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. C'est un vent de liberté retrouvée qui flotte sur la France avec la perspective de la nouvelle phase de déconfinement à partir de mardi. Et ce week-end, un grand soleil sur tout le pays. Certains d'entre vous ont d'ailleurs déjà pris la direction du bord de mer. Aurore Villemur.